voudrais féliciter, bon, pour la qualité de l'organisation, bien sûr, tous les bénévoles, tous les participants. Notre commune s'inscrit complètement dans ce développement que je vais appeler œnotouristique, associatif, etc. Je voudrais féliciter l'équipe de la mairie où il y a, je crois, une trentaine de participants. J'ai fait du massage de mollets toute la semaine et je crois qu'ils se sont bien comportés, donc je suis très fier. Voilà, et vous dire tout simplement de passer une bonne fin de journée et à l'année prochaine. 700 filles qui courent dans le Médoc, c'est vraiment un exploit, un bel événement, et puis on sent bien, il y a un esprit, mais c'est pas étonnant avec les femmes, il y a toujours un bon esprit. Bravo à toutes. C'est une course qui aura une issue humanitaire, puisqu'il y aura une association, mais je laisse aux organisateurs le soin de faire la démarche. En plus, on va aider et vous allez aider. Donc, belle journée, merci à vous tous. Bravo. Cette année, nous avons choisi de soutenir une association qui s'appelle l'AFAF, l'Association française de l'ataxie de Friedrich. Évidemment, c'est pas facile à prononcer, mais vous vous en souviendrez. C'est une maladie génétique rare et on est très heureux de les avoir accueillis sur la manifestation.